Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Donc on est déjà... Attends, attends. Attends, on est déjà mardi, mais comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai eu Et une moi, grosse... parce que je tousse. Ouais, on est un peu tous malades. En fait, j'ai une grosse extinction de voix dans la journée de dimanche à lundi. Donc depuis hier, je suis sous... Attendez les garçons. Et puis c'est pas gagné, ce que je peux pas créer, ils en profitent à mort. Donc j'ai une grosse extinction de voix, donc là je suis sous traitement, ça va un petit peu mieux. J'ai été arrêtée qu'une seule journée, donc c'était lundi parce que je pouvais plus du tout travailler, j'avais plus du tout de voix. Mais il m'a arrêté, enfin c'est moi qui lui ai dit de m'arrêter qu'une journée puisque de toute façon j'étais repos mardi, mercredi et jeudi, donc je savais que je serais à la maison. Donc du coup aujourd'hui je suis restée au chaud, j'ai fait pas mal de ménage ce matin, notamment la cuisine qui en avait besoin. Là je sors du bain, très clairement je suis en pyjama, ça m'a fait du bien parce que j'avais mal au dos encore. Ça, c'est une galère, je dois revoir l'ostéo aux alentours du 10 octobre, on verra bien. Et donc, je voulais vous montrer quelques achats Primark avant que je n'oublie parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Il y a pas mal de trucs pour les garçons, donc du coup, ça va partir quoi. Donc, tout d'abord, j'ai craqué sur cette paire de baskets en fait, comme ceci, avec plein de petits patchs et plein de détails argentés sur le devant et des pompons. Donc, les pompons sont amovibles. Moi, personnellement, je les laisserai en place. Les baskets comme ça, je vous en avais montré en fait des blanches un peu plus simples avec des petits détails rouges et qui étaient, je crois, à 16 euros. Et là, celles-ci, elles étaient à 10. Oh, excuse-moi, bébé. Je t'ai mis un coup. Je peux pas te faire de bisous. Elles étaient à 18 euros. Donc en fait, Mélanie les a mis en photo et j'ai dit, ah ouais, non, franchement, elles sont trop trop belles, effectivement. Donc voilà les fameuses baskets Primark à 18 euros. Ensuite, pour Sohan, je lui ai pris un lot de deux t-shirts manches longues. Puisque ça y est, on a viré le 4. Enfin, viré. On a sorti le 86 de son armoire. Et mis en place le 92 cm et il manquait des t-shirts manches longues. Donc je lui ai pris ce duo qui était à 9 euros. Et l'autre, il y a plein de Mickey comme ça dessus. Donc franchement, il est très content. Il a embarqué mes chaussures, il n'arrête pas de les mettre. Sauf qu'elles ne sont pas du tout pour lui. Et ensuite, je lui ai pris aussi un ensemble. Donc il manque le pantalon. En fait, donc le t-shirt, la veste, plus le bas de jogging, 18 Il y a euros. Non, celui-là. même pas 18 euros. Je crois que c'est 16 euros même. Je vous dis des Il y a bêtises ça que. aussi. Je crois que quand j'ai vu l'étiquette, j'étais super étonnée. Elle est là. Ouais, c'est ça, 16 euros l'ensemble. Donc, en plus, en dessous, c'est un t-shirt manche longue, donc parfait. Hop, voilà, t-shirt manche longue. Petite veste comme ceci, avec Chat qui rentre de l'école. Petite veste comme ceci, vraiment trop mignonne. Voilà, floqué Mickey dans le dos. Et avec, donc, il y a un bas de jogging qui est assez simple, avec juste marqué Mickey comme ça sur la cuisse. Donc, autant vous dire qu'il est très content. Ensuite, pour Ilan, je lui ai pris un snood. Donc, Ilan, c'est une vraie galère pour lui faire porter. Attends, Sohan! C'est une vraie galère pour lui faire porter des écharpes et compagnie. Donc, je lui ai pris un snood avec un côté tout doux. Et l'autre côté, en fait, c'est des motifs comme ça, Star Wars. Donc, au moins, je suis quasiment sûre qu'il va me le porter. Et ça, c'était. Attends, Sohan! Attends, c'est mes trucs, hein. 2 minutes, bébé. Et ça, c'était. Ils sont mes baskets. Et ça, c'était à 3 euros, il me semble. Bon, l'étiquette, je sais pas où elle est, mais je suis quasiment sûre de mon coup. Ah bah c'est marqué là. 3 euros, donc voilà, un petit snood qui tiendra chaud, qui grattera pas, parce que sinon ça couine le queen. Toujours pour Elan, je lui ai pris cette paire de slippers comme ceci, Dark Vador. Ça suffit les garçons, c'est parce que j'ai plus de voix pour en profiter. Hein. Sinon quand j'ai refait ma voix, ça a pété les flammes, je vais vous le dire moi. Donc Dark Vador, donc j'ai un peu hésité, soit, oui c'est Mickey, Dark Vador, donc j'ai un peu hésité parce que c'était du 33-34 et après du 35. Et Là mais Sohan, j'ai vraiment fâché là, parce que j'ai mal à ma gorge, donc faut pas me le répéter 30 000 fois, et puis les filles elles suivent plus du tout ce que je raconte. Donc j'ai hésité, 33-34 ou 35, du coup j'ai pris 33-34, elles lui vont impeccable. C'est du tissu, comme je vous l'ai dit, quand il pleut c'est niette, mais quand il fait cette météo plutôt sympa, hyper pratique pour aller à l'école. Ensuite, j'ai posé mon bras quelques secondes, ça fait super mal au bras. Je me suis pris en fait un pyjama comme ceci, pareil en tout doux tout doux, donc avec pampan en fait dessus, et sur le bas de pyjama il est rose comme ça avec plein de pampans. Et sur le dessus, vous avez Pampan qui fait dodo. Donc moi, je vous l'avais déjà dit, mais je suis une grosse frileuse. Donc c'est tout à fait ce qu'il faut pour cet hiver. Donc à 13 euros, je suis sûre qu'ils ont fait exprès. Et ensuite, j'ai pris un autre pareil pyjama à 13 euros. Toujours pareil. Donc cette fois-ci avec une tête de... Hey, oui, c'est Mickey. Enfin, c'est même pas Mickey, c'est Minnie. Avec une tête de Minnie comme ça en pilou-pilou. Tout doux avec un petit nœud tout rose qui tout en paillettes, toujours en taille M. Et le bas, cette fois-ci, il est plus sobre, gris avec des têtes comme ceci.
Et moi, j'adore ces pyjamas-là, notamment en hiver quand il commence à faire bien froid. Alors là, moi, j'aimerais bien. Ensuite, je me suis pris aussi un petit porte-monnaie comme ceci que j'ai trouvé trop chou en simili cuir à 4 euros. Franchement, très mignon. Donc, il est zippé partout tout autour. Il me crache dessus l'autre. Je vais être encore plus malade, c'est ouf ça. Avec un nœud de mini, donc très très sympa. Bah, si, je trouvais pas. Celle-là, j'aimerais bien avoir la tasse. Je lui ai pris une tasse comme ceci, Mario Bros. Mélanie m'avait montré aussi une photo d'un qui est Tetris. Et elle vous montrera ça en vidéo. Et moi, j'ai craqué en fait pour celle-ci. Donc, quand c'est froid, en fait, vous voyez, vous avez le côté ici. Et quand c'est chaud, ça change de couleur. Donc, à 7 euros, voilà. Et je lui disais, je vais peut-être lui faire un calendrier de l'Avent avec des petites idées cadeaux comme ceci parce que je crois qu'il aime bien quand même. Et pour finir, toujours pour mon mari, donc tu peux le déplier, s'il te plaît, là. Je lui ai pris un t-shirt comme ceci, donc gris, floqué Mario. Donc je lui ai déjà dit, mon mari est friand de ces t-shirts-là, mais il n'aime pas les t-shirts qui sont trop colorés ou trop flash. Et celui-ci passait bien, gris comme ça, avec juste la tête de Mario et quelques écritures. J'aime beaucoup le bleu que je trouve vraiment très joli. Bah, je regarde la prochaine fois pour toi. Donc voilà, en ce qui concerne, je vais y arriver. Primark. Donc j'ai pas mal d'autres choses à vous partager, notamment des réceptions AliExpress, mais je vous montrerai ça, je pense. Donc, de toute façon, pour vous, c'est la continuité, donc pas d'importance. Mais pour moi, demain, ce qui me permettra de récupérer un peu plus encore ma voix. Et si demain la météo est aussi jolie et que les garçons sont pas trop malades, on les emmènera sûrement faire un tour chez Mickey. Fais attention à la tasse, tu vas me la casser. Alors moi, j'aimerais bien faire. Donc là, je sais pas quelle heure il est, doit être 17h, non? Ouais, 17h. Donc on va se poser tranquillement. Ensuite on fera à manger. Et soit on se couche pas tard parce que demain il y a école. Hein. Ça rigole pas. Hein. Ouais, il monte son petit jus, il va mettre du tuju partout sur mon pyjama lui. Hashtag bêtise, bêtise, alerte bêtise. Le petit clown est sorti du bain. La dégaine. Oh t'es beau. Ah ouais t'es magnifique. Il tombe, tu retires. T'es beau. C'est quoi dessus là? C'est mignon. Tu veux mini? Pas pour toi, c'est pour moi ça. Nous voilà donc mercredi, donc ma voix c'est pas encore ça. Cette nuit j'ai pas mal toussé, mais je pense que c'est le traitement qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a, Swan? Je vais te montrer quelque chose. Et en fait, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer hier. En fait, quand j'étais à la pharmacie lundi soir, en fait, quand je prends mon ticket d'appel, je vois, il y a 32 personnes avant vous. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un tour dans la pharmacie en attendant. Et du coup, j'ai racheté des biberons pour Swan. Même s'il a un peu plus de 2 ans, le matin, il adore prendre des biberons. Et je vois pas pourquoi je lui retirerais, même s'il boit au verre, à la paille et tout, il adore les biberons. Et quand il est malade, il accepte en général de prendre que du lait. Donc c'était l'occasion. Et surtout, c'était un pack nu comme ça avec 3 biberons. Il en montre un autre. 3 biberons en fait sur le thème de Mickey. Et non seulement il avait 2 plus 1 offert en fait. Et en plus, il y avait 30% dessus. Donc j'ai eu les 3 pour 11,89€ au lieu de 16,99€. Il les a déjà piqués. Donc voilà. Donc je vais les nettoyer même quand on va en sortie. C'est quand même franchement hyper hyper pratique et ils sont très très beaux. Et j'y en ai pris un autre aussi. Je ne sais pas. Ah, j'ai aussi pris un lot de 2 tétines comme ça, d'Audi en fait, pareil, Mickey. Celles-ci, je les avais repérées un jour. Attends, chérie, je les avais repérées un jour sur un site et c'était un peu une galère pour commander. Donc là, elles y étaient. C'est du 18 mois et plus. Et celles-ci, elles étaient à 5,99€ les 2 tétines, donc ça reste raisonnable. Et il manque un biberon. Allez là. Et le dernier, en fait, c'est un d'Audi. Pareil, toujours sur le thème de Mickey. Parce que voilà, je sais très bien qu'il va kiffer. Oui, c'est Piquet. Attends 2 secondes. Et celui-ci, normalement, c'est du 18 mois aussi et plus, je crois. Oups là, il se barre. Bref, on s'en fout. Non, 6 mois et plus, mais de toute façon, on s'en fout. 6 mois et plus, il a 2 ans, il peut boire n'importe quel biberon. Et franchement, ils sont super beaux. Un d'Audi, il en a un tout petit. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en a foutu. Et voilà. Et celui-ci, il était dans ma para à 5 euros, il me semble. Ah non, 6,99€. Voilà, Swan fait de bêtises.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que en général dans ma pareille ils font des offres vraiment sympas. D'ailleurs il y avait les produits Vichy qui étaient à moins 50... Non, c'était pas Vichy. Si c'était Vichy. Genre un double sérum là à moins 50%, c'était 20 euros au lieu de 40. Mais bon, j'ai déjà une tonne de produits, donc restons raisonnables. Et voilà, je savais que lui serait hyper content avec ses biberons. Nickel! Et c'est ça aussi que je voulais vous montrer. En fait, oups là, Kisha a reçu sa pop du mois. Donc vous savez que je l'ai abonnée à Pop in the Box en fait. Donc c'est Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui m'avait, enfin qui en avait parlé en vidéo de ce site là. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Oui, tes biberons nickel. Et du coup, pour ce mois-ci, elle a reçu Jasmine. Donc franchement, elle est toute mignonnette comme ça. Donc voilà. Donc c'est l'abonnement, c'est 12 euros. Oui, moto. C'est 12,52 €, un truc comme ça. Enfin, moins de 13 euros frais de port compris par mois. Et elle adore recevoir ça, surtout que ça, à chaque fois, bah, c'est une surprise. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle va avoir. Donc là, c'est Jasmine. Et elle ne l'avait pas. D'ailleurs, il faut que je pense à mettre un... J'aime pas entre guillemets sur le site, même si je l'aime beaucoup, tout simplement pour ne plus la recevoir, mais normalement je vois pas pourquoi je la recevrais de nouveau. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi en vidéo, c'est en fait ma belle-sœur, donc comme vous le savez sûrement, elle travaille à Disney, elle a accès à une boutique, seuls les cast members ont accès en fait, où ils revendent des articles Disney un peu moins chers, parce que souvent il y a un petit peu de casse. Et il y a 3 semaines, 1 mois, elle m'avait proposé le carrosse de Cendrillon comme ceci. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Je vous l'ai mis en photo sur mon Instagram. Il était à 25 euros, je crois, au lieu de 60 et quelques. Et du coup, elle me l'a pris pour mon anniversaire. Donc, je suis très, très contente de l'avoir. Je vais vous montrer. Du coup, il a 2 petites imperfections, mais qui font tout son charme et qui font que finalement, il est unique. Et je suis très, très contente de le rentrer dans ma collection. Maintenant, il faut que j'arrange mon bureau pour savoir comment je vais les positionner. Parce que plus ça va, plus j'en ai. Et le problème, c'est la place. Mais je vais organiser ça, je pense, d'ici peu. Voilà, d'ici peu. Donc, il se présente comme ceci. Et vous voyez, au niveau de la couronne, ici, là, il fait le zoom, le focus, lui. J'ai un problème toujours avec les focus, moi. C'est un truc de fou. Enfin, bref. Vous voyez, il manque 3 petites boules même. Une ici et 2 ici. Mais bon, c'est pas très, très grave en soi. Et sinon, franchement, il est magnifique au niveau des roues et tout. C'est tout brillant comme ça. Franchement, très très joli. Celui-ci n'est pas musical. Alors, il veut montrer son ours. Voilà, magnifique ton ours. Mais vraiment, je suis très contente. Franchement, malgré, je dirais, ces petites imperfections qui sont... Ouais, voilà, c'est pas non plus la mort. En plus, il y a plein de petits strass ici. Je sais pas si on les verra, mais il y a plein de petits strass. Franchement, il est super joli. Oui. C'est quoi? C'est un cheval. Cheval. Et il commence à me mettre le bronze déjà. Hmm? Maman, il range et toi, tu déranges. Je vais finir d'ailleurs avec les présentations des petites choses que j'ai reçues. Sinon, j'en ai oublié la moitié. Donc, à un premier vendeur sur AliExpress, j'ai commandé des stickers comme ceci. Donc, j'ai pris la tête de Mickey. Alors, dès qu'il voit Mickey, c'est ouf. Donc, c'était genre dans les 25 centimes, un truc comme ça. Comme vous voyez, ils sont assez gros. Non, laisse-le, on le collera dans le Happy Planner après. Donc, ici, il y a YouTube aussi. J'ai trouvé très sympa. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et à ce vendeur-là, toujours... non, c'était celui-ci, le petit dernier. J'en avais commandé 3 à lui. Donc, c'est un petit verre glacé comme ça. Que j'avais trouvé vraiment sympa. Et ensuite, un autre vendeur. Ouais, ça doit être ça. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Pareil, j'ai repris un stickers Mickey comme ça, que j'ai trouvé trop, trop chouette. Donc, pareil, dans les 20 centimes, le stickers. Donc ça peut paraître cher, 20 centimes un stickers, mais comme vous pouvez le voir, ils sont assez gros. J'ai pris une petite licorne comme ceci que j'ai trouvé aussi trop mignonne. Pikachu, donc ça c'est pour monsieur Ilan, donc on va essayer de le coller dans le Happy Planner, sinon on va faire de la Sharpie. Et le petit dernier, c'est Stitch qui mange une glace, mais je ne pense pas le garder, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un. À quelqu'un. Ensuite, j'avais 2 personnes, arrête, qui m'avaient demandé des articles Primark. Les colis sont prêts d'ailleurs au départ, ils sont là-bas, comme vous pouvez les voir. Mais simplement, je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc je comptais imprimer les bons du boulot lundi. Simplement, bah, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu aller travailler avec ma voix, j'avais plus du tout de voix. Donc c'était, attends Sohan, avec ta grosse tête. Donc c'était clairement pas possible. Oui, elles l'ont vu ton magnifique bon, Mickey, faut que je nettoie.
Donc j'ai reçu leur paiement avec des petits mots. Et il y en a une des deux qui m'a fait une jolie carte comme ceci. Donc pour mon anniversaire. Donc j'ai trouvé ça vraiment super adorable. Et elle est vraiment très très belle avec des petits stickers. C'est tout vraiment très très chouette. Et en fait, son Instagram, c'est le bonheur du scrap. Et elle fait vraiment de très 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 jolies créations. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser, notamment celles qui sont fans du scrap. Moi j'aime beaucoup, mais franchement je suis pas douée. Et je crois que cette carte-là, elle l'a achetée, mais je sais qu'elle en fait, elle fait pas mal de créations. Et j'ai aussi reçu de la part de Cécile, en fait, qui est une amie en fait de Mélanie, qui souhaitait avoir une tasse zip et une tirelire Missy Samovar. Donc je l'avais trouvée. Donc elle m'a fait son paiement. Et du coup, elle m'a glissé des petits cadeaux pour mon merci. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je suis en train de me dire que soit Swan, soit Ilan est déjà passé par là. Je vais vérifier après. Donc elle m'a fait une petite lettre comme ceci de remerciement. Et elle m'a glissé ceci pour Noël. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part. Je pense que ça vient de chez Action, je dirais. Moi je les ai pas vus parce que très clairement je les aurais pris. En fait ce sont des petites pinces, vous voyez, comme des petites pinces à linge, avec des petits bonhommes en pain d'épices et du hou. Alors je sais, on est qu'au mois de septembre, maman, mamamou. D'ailleurs Cécile, il faut que je t'envoie un message. Parce qu'en fait j'ai demandé à Mélanie, parce que j'ai reçu ton enveloppe samedi. Oui, ta belle tutute. J'ai demandé à Mélanie de t'envoyer un message samedi pour te remercier. Enfin pour dire j'avais bien reçu. Attends, pourquoi t'as la bouche toute crapouille toi? Pour te remercier, donc comme quoi j'ai bien reçu ton enveloppe. Et du coup elle m'a dit bah attends je te donne son numéro, ce sera beaucoup plus simple. Et finalement j'ai été bossée et j'ai complètement oublié. Donc je vais le faire maintenant et voilà la deuxième planche. Donc des stickers Star Wars qui sont vraiment très très beaux. Je pense qu'ils viennent de chez Action aussi, donc il en manque juste deux, mais c'est pas très grave. Quand il les a vus, il était super content. Je les ai mis de côté juste pour vous les montrer parce que j'ai trouvé son attention vraiment très sympa. Donc je te remercie beaucoup et je file de suite t'envoyer un message parce que sinon je vais encore oublier. Donc là il est quelque chose comme 6h-20, donc on est à Disney. On avait promis aux enfants. Non, 6h-20. Donc je suis pas encore au top de ma forme, mais c'est l'après-midi, on est tous ensemble réunis. Donc là on est devant le labyrinthe de Alice. Et on a fait les pirates des Caraïbes avec Monsieur Sohan qui n'a pas Queen Queen. Bravo Poupi. Là je pense qu'on va aller faire un tour au. Mais il a pas pleuré. Là sur photo, il était un peu flippé. On va aller faire un tour aux poupées. Il fait relativement beau, ce qui est plutôt agréable. Donc ça y est, on quitte Disney. Donc on a rencontré Mélanie, donc de la chaîne Happy Together 17, avec son petit Nathanaël. Donc on a fait les poupées, parce qu'on vous a quitté un peu avant les poupées. Donc on a fait les poupées. Ensuite, Mélanie et moi, on est partis faire un peu les boutiques pendant que, avec Kisha aussi, et Soran et Nathanaël. Pendant que Ilan et mon mari sont partis faire Star Wars, Star Tour. Et le suspense. On a fait le nouveau Pirates des Caraïbes. Ah oui, ça je leur ai dit tout à l'heure qu'on a fait Pirates des Caraïbes. Donc lors de notre passage en boutique, j'ai profité du pass de Mélanie puisqu'elle a moins 20% et à chaque fois elle a la gentillesse de m'en faire profiter. Et je m'étouffe. Et je me suis pris quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure. C'était quelque chose que j'avais envie d'avoir et je dis à mon mari, j'ai trop peur qu'un jour elle y soit plus. Donc voilà, donc je me la suis offerte. Et on a racheté une petite assiette pour Sohan, même si j'ai demandé à Kisha, n'importe quoi. À Mélanie, si en brocante, elle me trouvait le modèle un peu arrondi, parce qu'en fait, Sohan avait une assiette en fait Buzz l'éclair arrondie. Et en fait, un matin, mon mari l'a retrouvée cassée. Donc je pense que c'est Yoga qui a dû la faire tomber, la casser. Et du coup, là, on lui a pris un modèle plus grand avec 3 compartiments, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'était juste avec le pass 10%, mais bon, elle était pas très cher. Enfin, pas très cher. 8 euros pour une assiette, c'est quand même cher, mais bon. Il était dégoûté de ne plus avoir son assiette Buzz l'éclair. Et là, on va essayer d'aller chez Burger King parce qu'il va être bientôt 8h, je pense. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 8h moins le quart. Moi, j'ai testé la burger mystère. Donc, on va voir ce qu'on prend. Et si vraiment il y a trop de monde à Burger King, parce que des fois, il y a du monde, on se rabattra chez McDo. Donc, voilà. Et s'il n'y a pas, on va prendre des steaks aussi. Non, entre l'un ou l'autre, on va bien trouver bonheur. Donc on se retrouvera, allez je recommence avec on se retrouvera, de toute façon on ne change pas une équipe qui gagne, certainement à la maison ou demain, on va voir. Nous voilà donc jeudi, hier l'enfer chez Burger King, on a attendu quasiment 1 heure pour être servi, puisque quand je vous ai quitté il était je crois à 8h moins le quart, quelque chose comme ça, il nous faut 10 minutes pour rejoindre
le Burger King de Collégien Torcy. Et on est rentré à la maison à 21h. Franchement, c'était la misère. Donc, je vous disais hier à Disney, donc on a pris cette assiette-là comme ceci pour Swan, donc avec trois compartiments, qui était donc à 8 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, à la base, Swan, il en avait une en forme un peu ovale, mais j'ai mis Mélanie sur le coup. Je lui ai dit que si elle m'en trouvait une en brocante, parce que j'en ai vu en fait, en plus plusieurs fois, les gens les vendaient pas cher à 1 euro, des trucs comme ça. Mais je pensais pas qu'elle serait cassée un jour, donc j'aurais dû en prendre une seconde. En attendant, on lui a pris celle-ci, il l'aime beaucoup, en plus il y a Zerg et tout. Et je vous disais que je m'étais fait un cadeau, puisqu'en plus mon papa pour mon anniversaire m'avait donné des sous. Et du coup je me suis pris cette figurine là, donc la fée Clochette. Donc je vous l'ai déjà dit, moi la fée Clochette c'est un personnage que j'aime énormément. Franchement elle est super belle, par contre elle est pas donnée, je crois que c'était Swan. Elle est pas donnée, 50 euros la figurine, enfin 49 euros exactement. Grâce au pass de Mélanie j'ai eu moins 20%, donc je l'ai payé aux alentours des 39 euros et des brouettes. J'aurais pu attendre ma belle-sœur pour à moins 25, mais après ça joue pas à grand chose. Franchement elle est magnifique, mais bon après elle est floquée pour le 25e, ici elle a un petit strass dans ses cheveux. Mais voilà, donc je suis très contente de la voir. Je ne sais pas du tout encore où je vais la positionner. On verra ça. Ensuite j'ai eu des petites réceptions AliExpress, donc encore des stickers, donc toujours pareil, dans les 20 centimes, quelque chose comme ça. Donc là c'est Stitch. Nous avons de nouveau Monsieur Pikachu. Je ne sais pas si je vais le montrer, ouais, Pikachu. Et une tête comme ceci de Stormtrooper. Et ensuite, je suis trop contente parce que sur Octoly, je me suis proposée pour tester une gamme de produits de chez Roger Cavaillès. Donc, je vous en ai déjà parlé. Je crois que c'était pas l'été dernier, je crois que c'était l'été d'avant. Le temps passe trop, trop vite. J'avais testé des crèmes douche que j'avais adoré, puisque ici on a la peau qui s'assèche assez vite et notamment à cause du calcaire. Et du coup ils me permettent de tester le lait bain et douche sur gras actif hydratant pour les peaux sèches, donc pour les enfants et nous ça va être vraiment top. C'est un gros format hein. 750 ml, donc je suis vraiment très contente de pouvoir le tester, et notamment à l'approche de l'hiver qui s'installe doucement mais sûrement. Et je vous en reparlerai très rapidement parce qu'on va le tester là dans les jours prochains. Et pareil, ils m'ont envoyé le baume corps l'éparateur, pareil ça va me servir pour moi et les enfants pour mieux nourrir, pour une double hydratation. Donc pareil, en plus c'est un flacon pompe, donc hyper pratique pour les peaux très sèches, donc parfait. Et c'est pareil, c'est un gros bidon, je sais pas combien ça fait, mais 400 ml. Donc pareil, je suis super contente de pouvoir tester parce que moi, les produits Roger Cavaillès, j'en étais vraiment très contente. Et avec, il y a aussi un déo. Donc pareil, moi, je suis abonnée au Dove et vous savez, il y a du sel d'aluminium dedans, ce qui n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, c'est sans sel d'aluminium. Donc je me dis que c'est vraiment l'occasion de tester un produit justement sans cet ingrédient qui n'est vraiment, vraiment pas bon pour la santé. Donc je vais vous en reparler très rapidement. En tout cas ces deux là c'est sûr ça va être très rapide puisqu'ils vont atterrir dans ma douche dès ce soir. Et sinon j'ai passé une petite commande aussi sur Vinted en fait. Il y avait une jeune femme qui revendait, je crois que c'était 1,50€ ou 2€, enfin vraiment un tout petit prix, un t-shirt comme ceci. Alors, comment je vais vous montrer ça moi encore? Alors attendez, organisation, je l'ai mis sur moi. Donc c'est un t-shirt gris comme ça avec un col en V avec trois petits boutons. Et donc c'est dessus la fée Clochette avec un peu de brillance ici. Voilà, il n'est pas tout neuf, hein, c'est clair. Mais franchement pour 1 ou 2€, je vous dis franchement très contente. Et au verso, il est gris comme ça, classique. Donc je suis très contente. En plus, elle me l'a envoyé super rapidement. Je l'ai reçu ce midi, très bien emballé. Nous voici donc vendredi, donc aujourd'hui j'étais en réunion. En sortant de ma réunion, je me suis arrêtée vite fait chez Primark pour voir s'il y avait des nouveautés. J'ai craqué pour quelques petites choses, notamment pour cette petite planche en bois comme ceci que je vous ai mis en photo sur mon Instagram. Je l'ai trouvée vraiment très très belle. Je ne sais absolument pas où je vais la mettre avec sa petite cordelette dorée. Mais je me dis même pour les fêtes de fin d'année, sur un des murs, ça peut être très sympa, franchement très joli. Et elle était qu'à 2€. Donc voilà, j'ai finalement craqué aussi sur un article que j'avais vu la dernière fois et j'avais hésité à me le prendre. Et pareil, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore la période des fêtes, la période de Noël et compagnie. Je me suis dit que pour aller à Disney, ça pourrait être très très cool. Du coup, j'ai pris ce petit sac à dos qui est comme ça, tout pailleté avec un espèce de petit porte-clés Mickey sur le côté. Donc voilà, il est zippé à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez aussi une petite poche zippée, hop, juste ici, là en arrière, je ne sais pas si vous allez voir. Alors attendez, parce que je m'y prends comme une gauche.
Merci Ilan. Voilà, ici vous avez une petite poche. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais oups là. Voilà, il y a une petite poche zippée ici. On la voit peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il y a une poche zippée. Comme ma fille disait, le seul regret, c'est qu'ici, c'est pas zippé en fait cette partie-là. Mais bon, c'est pas très grave. Pour mettre un paquet de mouchoirs, ce sera juste parfait. Et pour nos sorties, ma foi, ce sera cool. Ensuite, pour les mecs et la gonzesse, j'ai repris deux packs de PES qui sont à 1,50€. Ah, il a déjà posé ses jouets, tout, la totale. Finis ton chocolat d'abord, t'auras des PES après. Et pour monsieur Ilan, ici présent, qui d'ailleurs a été élu suppléant. Je suis remplaçant. Remplaçant, suppléant. Il y a eu les élections des délégués. Alors, c'est mon copain. Je savais pas qu'en ce 1 il faisait ça, mais il y a eu des élections de délégués. Et du coup, il voulait un t-shirt Mario, donc je lui ai pris celui-ci. Donc les manches sont blanches et en fait, il y a plein de dessins de Mario un petit peu partout. Tu peux m'aider, Ninouche? Merci, bébé. Voilà, donc très très beau. Et il était à 8€. T'es content? Il y a Bowser. T'es content au moins? Donc voilà. Donc là, mon mari est parti au point relais puisqu'il y avait. Alors attendez, hop, il y avait deux colis à déposer au point relais. Oups là, ma zette, je vous fais tomber. Ça pue du tout. Puisqu'il y avait donc deux colis à déposer. Donc, j'attends qu'il revienne pour qu'il me donne les numéros des stickers que je communique aux filles concernées. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Pour celles qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la fête d'Halloween. Moi, je l'aime bien sans plus. Ici, on fait rien de particulier puisqu'en fait, on fête Halloween toujours chez Abbaye-Romainvilliers, en fait, entre chez ma soeur et chez ma mère. Plusieurs fois, en fait, je vous ai mis des photos. J'ai plus d'air, je suis désolée. Je suis enrhumée à mort. J'arrive pas à me débarrasser de ce truc. Entre ma soeur et ma mère, c'est genre la compétition à qui aura la maison la plus décorée. Elles sont vraiment à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est à fond. Je vous invite, en tout cas, si vous aimez bien cette fête-là ou si vous avez envie de délirer ou même profiter peut-être de petits concours qui seront organisés sur sa page Facebook, c'est assez certain. D'ailleurs, je me dis que on est quasiment au mois d'octobre et je n'ai toujours pas tourné la vidéo concours. Je m'en excuse, je vais vraiment, vraiment m'en occuper au mois d'octobre. Bref, je vous invite... Je crois que je vais adorer celle de Marie. Ouais, c'est la compétition. En plus, je vous invite à rejoindre la page Facebook de Happy Halloween Bailly-Romainvilliers. Donc Happy Halloween Bailly-Romainvilliers. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Franchement, allez jeter un coup d'œil parce qu'elles font des décos de malades. C'est-à-dire que chaque année, quand on va fêter Halloween là-bas, il y a des gens qui s'arrêtent devant la maison de ma mère notamment pour être pris en photo devant la maison. Et même mes collègues qui habitent dans le coin, en fait, près de la gare, à chaque fois, ils s'arrêtent devant la maison tellement que c'est impressionnant. Oui, Nounouche. Maman, en plus, Mélanie, elle a une maison. Ouais, en plus, l'année dernière, ma soeur avait une petite maison. Je vous avais emmené avec moi en vlog. Elle a déménagé et là, du coup, elle peut vraiment aménager toute la façade de sa maison. Donc, je pense qu'elle va vraiment, vraiment s'éclater. Donc, si vous êtes fan d'Halloween ou juste pour le fun, allez découvrir cette page Facebook parce que c'est des grandes malades. Donc, on ira fêter normalement Halloween parce que moi, j'ai une réunion prévue ce jour-là. Mais vu qu'on fête Halloween le soir, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, il faut qu'on s'attelle au déguisement parce qu'on est un peu... D'abord, j'en ai plus. Ouais, faut que je m'en occupe. Je sais pas si je commande sur AliExpress ou pas. Hein. Moi, j'ai peur que ce soit short. Bref, je vais m'occuper de ça. Et ce soir, on va manger chez un couple d'amis. On va faire une petite soirée crêpe. Chez qui? Chez Mathias et Réjeanne. Du coup, je sais pas si je clôture le vlog aujourd'hui ou pas. On verra. Au pire des cas, je vous retrouverai soit ce soir, soit demain vite fait pour clôturer le vlog, puisque ce week-end encore, je travaille. On va manger des PES. Tu viens de te réveiller, toi? Donc là, nous sommes vendredi soir, pas du tout. On est samedi soir, ça pue du tout. Il est quasiment 23h, donc je viens tout juste de rentrer du boulot. Je vais pas me coucher trop tard parce que demain, je réenchaîne à 11h. C'est des transitions qui sont un peu compliquées, mais ça arrive pas tout le temps. Donc bon, il n'y a pas mort d'homme. Du coup, avant d'aller bosser, parce que j'étais persuadée que je commençais à 14h30, à 14h, donc je suis partie tôt de la maison parce que j'aime bien partir toujours avec un peu d'avance. Finalement, je commençais qu'à 14h30. Donc du coup, vu que je suis arrivée 45 minutes d'avant, j'étais me balader dans le Disney Village. Je vous ai fait pas mal de photos sur mon Instagram et Facebook, notamment des petites décos de Noël et tout. Et il y avait une promo qui était super sympa. Elle y était il y a quelques temps, mais je croyais qu'il fallait prendre 4 mêmes verres. Et en fait, pas du tout. C'est normalement les verres comme ceux-ci qui sont normalement à 3,99€.
Et vous pouvez en prendre 4 pour 12 euros et les passes moins 10, moins 20 ou réduction moins 25% passe. Donc c'est super intéressant. Donc du coup j'en ai pris 4 et je vais en reprendre 4 comme je disais à Kisha, mais là il fallait que je les porte donc je voulais pas faire de casse. Donc j'ai pris un rouge comme ceci avec Mickey. Donc même sans réduction, sans rien, 12 euros 4 verres, franchement celui-là j'adore. C'est le chat de Alice au Pays des Merveilles chez Shire. Franchement ils sont super jolis, ils sont assez grands. Hein. Ensuite j'ai pris un Stitch comme ceci, pareil franchement il est super beau le Stitch quoi, très très beau. Et le petit dernier que j'ai pris c'est Tic et Tac, voilà très très joli aussi. Donc comme je dis à Kisha je vais en reprendre 4, je crois qu'il y a aussi la Reine des Neiges. Et je sais plus s'il y a des modèles différents, au pire des cas je prendrai la Reine des Neiges et puis des doublons puisqu'on est 5 et que chacun voudra son verre. Donc je vais clôturer le vlog ici et maintenant puisque demain bah, comme je vous le dis je retravaille. Et qu'en plus, si je veux qu'ils soient en ligne lundi matin, faut que je clôture ce soir. Surtout qu'en ce moment, il n'y a qu'une vidéo par semaine sur ma chaîne. J'ai essayé d'en faire deux, mais là, j'avoue qu'avec mon rhume, ça m'a complètement cassé. Là, je commence tout juste à m'en sortir, mais franchement, c'est une vraie misère. Si ça va pas mieux la semaine prochaine, je suis repos lundi et mardi, je profiterai pour aller voir le médecin juste qu'il me redonne un traitement un peu plus fort. Surtout qu'après, je serai sur un poste couvert. Enfin, je serai pas dehors, donc du coup, ça me permettra de me requinquer un petit peu. Parce que franchement, j'aurais du mal à me défaire de cette... trachéite ou je ne sais quoi, là-bas c'est une laryngite, mais je pense que j'ai plutôt une rhino maintenant. Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc j'espère que ce nouveau vlog de semaine vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !